à tous. Je suis très heureux d'être ici en compagnie de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna, et du président de la Banque de l'Infrastructure du Canada, Michael Sabia. Avant de procéder à l'annonce d'aujourd'hui, j'aimerais prendre un instant pour faire le point sur la COVID-19. In the last few days, COVID-19 cases have continued to rise across the country. Ontario has seen its highest ever daily number of cases. Montreal and Quebec City are at their top level of alert. And everywhere, this virus remains a threat. Last spring, we worked together to flatten the curve. I know we can do that again this fall. So please, keep following public health instructions. Wear a mask, wash your hands, and keep your distance. And if you haven't already, download the COVID Alert app from the App Store or Google Play. It's free, it protects your privacy, and it's another way to keep yourself and others safe. As of this morning, Manitoba has now brought the app fully online, joining Ontario, Newfoundland and Labrador, New Brunswick and Saskatchewan. And in the coming days, we're looking forward to even more provinces following their lead. So download the app today. En raison de la hausse du nombre de cas, il est très important pour tout le monde de continuer à suivre les règles de santé publique. Portez un masque, lavez-vous les mains et gardez vos distances. Et si ce n'est pas déjà fait, téléchargez l'application gratuite Alerte COVID. Depuis ce matin, l'application fonctionne pleinement au Manitoba, qui se joint maintenant à l'Ontario, Terre-Neuve et Labrador, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. On espère que d'autres provinces emboîteront le pas. De notre côté, le gouvernement continue de travailler avec les provinces et les territoires pour assurer votre sécurité. Plus tôt cette semaine, j'ai appelé le premier ministre Ford et le premier ministre Legault pour offrir mon plein appui alors qu'on confronte cette deuxième vague ensemble. On a parlé de ce que notre gouvernement pourrait faire de plus, notamment en ce qui concerne le dépistage et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Plus tard aujourd'hui, nous aurons notre 19e rencontre des premiers ministres des provinces et des territoires. On doit poursuivre nos efforts ensemble. Je pense, entre autres, à l'accord sur la relance sécuritaire ou au fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire. Ce sont des investissements fédéraux qui aident avec toutes sortes de mesures, dont l'équipement de protection individuelle ou la protection des enfants et du personnel scolaire. La priorité, présentement, c'est d'aider les Canadiens à traverser la tempête. Last Wednesday, in the speech from the throne, we announced our plan to support Canadians through this crisis as long as it takes, whatever it takes. Job one remains keeping people safe. And as we do that, we're also going to fight for the livelihoods of every single worker. This spring was tough for a lot of people who either lost their jobs or saw their hours cut. And while many Canadians are back at work, many others are still looking. As a government, there are ways we can help by building on what we've done so far. In the throne speech, we announced a plan to create over 1 million jobs for Canadians. We'll make this happen by extending the wage subsidy and investing in youth employment. And we'll also look at opportunities in growing sectors, which is what I want to talk about today. This morning, our government is launching a $10 billion infrastructure plan to build stronger, healthier communities while helping Canadians get back to work. In fact, this plan alone will create about 60,000 jobs right across the country. Through the Canada Infrastructure Bank, this three-year growth plan will invest in everything from clean power, zero-emission buses and home retrofits, to broadband and irrigation infrastructure for farmers. This is a win-win. With smart, targeted investments, we can get people back on the job and grow the economy while building a healthy, sustainable future for everyone. Aujourd'hui, je vous annonce que nous lançons un plan d'infrastructure de 10 milliards de dollars afin de bâtir des communautés plus fortes et de créer des dizaines de milliers d'emplois pour les Canadiens. Par l'intermédiaire de la Banque de l'Infrastructure du Canada, ce plan de croissance étalé sur 3 ans permettra d'investir dans plusieurs secteurs, incluant l'énergie propre, les autobus zéro émission, la rénovation éco-énergétique,
l'Internet haute vitesse et l'infrastructure d'irrigation pour les agriculteurs. Grâce à des investissements judicieux comme ceux-ci, nous pouvons remettre les gens au travail, faire croître l'économie et bâtir un avenir sain et durable pour tous. Alors que nous travaillons à bâtir un pays plus fort, nous devons nous assurer que personne n'est laissé pour compte. Les 6 derniers mois ont été difficiles pour tout le monde, mais en particulier pour un bon nombre de nos aînés. Aux aînés, vous avez travaillé fort toute votre vie, et c'est maintenant à notre tour de travailler fort pour vous offrir le meilleur soutien possible. Notre gouvernement va rester à l'écoute et on va rester aux aguets pour s'assurer que vous ayez tout ce dont vous avez besoin. Comme on a annoncé dans le discours du trône, on va continuer de prendre des mesures pour protéger les personnes dans les établissements de soins de longue durée, tout en aidant les personnes âgées à rester chez elles plus longtemps et en augmentant les pensions. Our communities, just like our families, are stronger because of the contributions of seniors. On National Seniors Day and every day, let's recognize the people in our lives who helped raise us and who made this country what it is. Finally, I want to end today by recognizing some important news out of the House of Commons. Earlier this morning, our government introduced a bill to end conversion therapy in Canada. It's past time to put a stop to this unacceptable, discredited practice that has hurt far too many LGBTQ2 Canadians. Conversion therapy is harmful, degrading, and has no place in Canada. I hope all parties step up, come together, and support this bill.